Bon, l'équipe, bah, on est enceinte, hein. On est enceinte? Ouais, on est enceinte. Ah, je suis. D'ailleurs, j'ai réfléchi au prénom. Quoi? Ah oui, c'est une grosse annonce. On est enceinte. Et j'ai réfléchi au prénom. Ok. Donc, si c'est un garçon, on peut l'appeler Kobe. Non, Balou, non, s'il te plaît. Non, mais il représente beaucoup pour moi, Kobe. Non, non, mais c'est bon. Toi, tu vas appeler Kobe, Carter, Iverson, tout ça. C'est là. Des beaux prénoms. Oui. Ils m'ont inspiré. Oui, d'accord. Toi, t'as une idée de prénom si c'est un garçon? Pourquoi pas le nom de mon daron? Nom de mon père? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème avec le prénom de mon père? Non. Non, je valide totalement. T'as un problème avec le prénom de mon père, Balou? Ton père, c'est la famille, je valide et tout. J'ai pas de problème avec le prénom de ton. On réfléchira au prénom. Si c'est une fille. Bah vas-y, c'est toi qui as dit que t'as envie de trouver des prénoms. Ok, si c'est une fille, Fanny. Ton ex? Ah merde, Caroline. Mais c'est ton ex aussi, tu te fous de ma gueule ou quoi? En fait, c'est peut-être trop tôt pour réfléchir au prénom, je crois. Ouais, ouais, c'est mieux, c'est trop tôt. Attends, mais t'es sérieux là? Non, on va réfléchir au prénom après. Genre de tous les prénoms, c'est ça que tu t'as retenu? Mais c'est quoi une ex, en vrai? Quoi? Moi, tout ça là. Oh! Félicitations à nous! Tcha, le bébé! Non, le ventre est là, on est refaisaire. Et d'ailleurs, je sais pas s'ils ont cramé, mais t'es en Rihanna là! Ouais, exactement! Elle est en Rihanna, bon, le t-shirt est. Ouais, ouais, c'est voilà, craqué, c'est pas grave, c'est pas grave! Elle est en Riri, voilà. Elle est en Riri, moi je suis en. Ceux qui ont la rêve, Cameron, Killer. Et. D'ailleurs, j'ai un petit message, je peux passer un petit message? J'ai un petit message à Riri et Issa Proki. Donc, voilà, ma femme est enceinte, on est enceinte, tu vois. Il n'y a pas que toi qui peux mettre des gens enceintes. Donc, là, c'est le premier. J'enchaîne direct après, l'année prochaine, avec le deuxième. Non. Attends, laisse-moi parler. Donc, Riri, arrête de croire qu'il n'y a que toi qui peux work. C'est bon, là, on est dans le truc. Allô, what's up, Riri? What's up, Rocky? On est enceinte, ma gueule! Il est complètement malade, on est enceinte, ma gueule! Non, mais. Logan fait du bruit, on est enceinte, wesh! On est enceinte de ouf! C'est comment? Ouais. Et tu sais, ça fait combien de temps j'attends ça, ma gueule? Mais franchement! Mais moi, j'ai barré en fait! Non, c'est un petit message pour Riri. Et voilà. Mais non, mais c'est. Voilà, on est enceinte. Voilà, en vrai, la vidéo, c'est ça, c'est on est enceinte. Et on va en discuter. Mais avant ça, j'avoue, il faut que valider notre look. Est-ce qu'il valide notre look? Donc là, Alisha, elle est en Riri. Elle est en Riri, pink outfit, le jour du dévoilage de sa pregnancy. Mm-hmm. Ok, voilà. Même coupe. Manteau. Truc. Voilà, c'est bien fait. Bijoux. Voilà. Chain. Voilà. Jean. Voilà. Franchement. Moi, je suis en Cameroun. Donc là, j'ai les petits bijoux et tout. Viens, rapproche-toi. Tu vois, ça, c'est Chain Nation qui m'a envoyé numéro ça. Numéro 1 sur le drip en France. Voilà, Chain Nation, les petits bijoux, les petits trucs, tu vois, le petit truc rose. Est-ce que tu peux parler un peu de Chain Nation pour eux? Donc, wearechainnation.com, bien évidemment, numéro 1 des bijoux chez drip en France. Franchement, ils font même des bijoux custom si jamais vous voulez avoir des bijoux bien propres à vous. Ils font même des bijoux pour les sneakers qui s'appellent les slicks. Ils ont des chaînes, des bagues, les bijoux sont mix. N'hésitez pas à les checker, hein, bien sûr, bien évidemment. Drip 30 pour moins 30% cumulable, en plus sur les promos déjà en courant. Lien dans la description. Exactement. On est ensemble, Chain Nation. Bon, là, on va faire un petit jeu. On va voir qui se connaît le mieux entre nous deux. Donc, l'idée, c'est quoi? Celui qui gagne, c'est lui qui choisit le prénom de l'enfant. Si je te connais mieux, je choisis le prénom. Et si tu me connais mieux, tu choisis le prénom. Vas-y, je vais gagner. Ok, c'est bon. C'est parti. What's up, Riri? What's up, Rocky? Bon, c'est parti. On va voir qui connaît le mieux qui. Et c'est pas trop français, mais celui qui gagne. C'est lui qui choisit le nom de l'enfant. Oui, donc je le précise. C'est moi qui vais gagner. Ok, tu commences, je commence. Pour l'honneur de mon enfant, parce vas-y, que sinon. Pierre, feuille, ciseaux. Non. Vas-y, Pierre, feuille, ciseaux. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. Non, je voulais faire le puits. Non, attendez, j'ai gagné. Merde, j'ai grave le j'ai gagné. Vas-y. Allez, tu vois, mon enfant veut déjà que je gagne. Vas-y. Du coup. Notre enfant. Quel est le show qu'on aime regarder ensemble? Le show qu'on aime regarder ensemble, genre. Une série, un film Je sais pas, okay. C'est le show. Je sais que tu me forces grave. Elle me force grave, voilà, je suis obligé de le dire. Elle me force à regarder Harry Potter. Voilà, elle me force à regarder Harry Potter, je le dis. Et moi, je comprends rien à Harry Potter.
y a un géant, il y a un mec, il est métisse, mi-géant, mi-humain, je sais pas mais comment la daronne elle a fait pour copuler avec un géant. Il y a des mecs qui parlent en gibilidish. Il y a des mecs qui parlent en serpent. Le méchant il ressemble à rien, il a pas de nez. Eh, franchement, eh, il lutte contre un bébé, le méchant. Le méchant il lutte contre un bébé. Sun Statum. Arigato gozaimasu. Boah, il arrive même pas. Vas-y, vas-y. Eh, on a dit le show qu'on aime regarder ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? C'est mon réveil. Ah ouais, là. C'est mon réveil, c'est mon réveil, c'est pour mettre un post. C'est pour mettre un post Good Times. Putain. Vas-y. On a dit le show qu'on aime regarder ensemble. Le show qu'on aime. C'est Harry Potter. Bah non, excuse-moi, vu comment t'as fait Harry Potter, tu détestes, t'aimes pas, hein. Non, j'aime le regarder pour m'endormir. Oui, vous pas le regarder, quoi. Voilà, mais j'ai un point ou pas? Balou, non. T'as grave pas le point. Vas-y, t'avais écrit quoi, fais voir. Bah... Harry Potter. Non. T'as écrit Harry Potter. Non, c'est pas vrai. Allez, 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 tu veux me faire. C'est allez. Pas vrai. C'est à moi, j'ai un point. Logan, tu comptes les points, la régie. Vas-y, un point. Vas-y, un point. Ok. Donc, à moi. Quel est le prénom de ma première copine? Je refais. Quel est le nom de ma première copine? C'était la même question. Vas-y, vas-y. Je sens qu'il y a un piège. Vas-y. Parce que je tentais de dire un prénom, mais c'est pas celui-là. Vas-y, dis. C'est pas Capucine, Gwendoline, ah, un truc comme ça, hein, genre. C'est Gwendoline, Gwendoline. Gwendoline, c'est mais pas Gwendoline. Si, c'est Gwendoline. Mais je t'ai demandé. Ah non, c'est Colombine. Elle s'appelle comment, ma première copine? Colombine, oui, ou Gwendoline? C'est Colombine. C'est Colombine. Elle s'appelle Colombine. Elle s'appelle comment, ma première? Ah non, t'étais pas née. Là, elle s'appelle Colombine. Tu parles de celle que t'as eu en maternelle. Ouais, ouais, elle s'appelle Colombine. Bah Lou, t'es sérieux là? Elle s'appelle Colombine. Attends, tu me poses une question mais tu connais non, pas non, la réponse. Non, non, elle s'appelle Colombine. Et je suis resté 3 ans avec elle. J'ai fait la première section de maternelle jusqu'à la dernière. Et en fait, je te dis, c'était vraiment fort. Hein, ce qu'on avait entre nous, c'était fort. Jusqu'à, c'était tellement fort qu'à la cantine, j'utilisais même pas les mains, c'est elle qui me nourrissait. Tu vois? Juste quand il y avait les quenelles, je lui disais, j'aime pas trop. Mais sinon, elle me nourrissait. Et tu sais comment ça s'est fini? On a été dans 2 écoles primaires séparées, et sauf qu'elles étaient collées. Et un jour, je regarde par la fenêtre de mon école primaire et je la vois flirter avec un autre mec. Ça t'a fait mal? Oh, ça m'a fait mal. Mais tu vois, on jouait au foot en interclasse avec l'autre classe. Ouais. Et il y avait l'autre mec. Je lui ai mis un tacle à la gorge. Je lui ai mis un tacle, là. Parce qu'elle a... King for Young. Ah non, hardcore. Olivier Tom, je lui ai fait du sale. Ah ouais. Tout ça parce qu'elle a osé nourrir un autre gars. Elle a pas nourri, je voyais, il jouait à la marelle. Mais toi, il en faut de peur, en fait, pour que tu tombes amoureux. Faut juste te donner à manger. Non, bah j'étais petit, là. Hein. Mais en tout cas, raconte l'anecdote. Elle est revenue quand même te parler sur Facebook. Hein. Non, 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 bon, ça reste privé. Bon, prochaine question. Prochaine question, mais c'est moi. C'est moi, non. Mais non, c'est moi. Ah ouais, c'est toi. J'ai posé. Vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? T'as dit quoi? Qu'est-ce que tu... J'ai dit, qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Tes fesses et gestes. Tes fesses et gestes. Quoi? Tes fesses et gestes. Non. J'aime ton corps, baby. Ton t'as corps, dit tes baby. Fesses et gestes? Non, tes fesses et gestes. Tes fesses et gestes. Ouais, ouais, tes fesses et gestes, quoi. T'as ton tes corps. Tes fesses et gestes. Ton corps, ta coordination, tout ce qui est coordination chez toi. J'aime. Je t'aime de corps et âme. Non, mais en vrai, ce que j'aime le plus chez toi, en dehors de tes fesses et gestes, c'est tout ce que tu représentes, la personne que tu es. T'es vraiment une personne entière, magnifique, t'es incroyablement intelligente, t'es une personne dotée de... Quoi? Bah vas-y, je te valide, quoi. Ok. C'est quoi, ça? C'est le rêve sur TikTok. Mais elle me parle que en TikTok, c'est ouf, elle. Je lui parle, elle me dit « What's up, Harry? What's up ?» Après, elle me dit elle me parle en TikTok, c'est quoi ce délire? C'est bon, vas-y à toi, pose-moi ta question. Tu veux que je te parle en Twitter, moi? Non. Tu veux que je te parle en Twitter? En X. Ouais, tu veux que je te parle en X? Non, c'est bon. Ok, bah c'est mieux, je te t'as parle... T'as tout whipping, là, t'as tout whipping. Ratio. C'est quoi ça, ratio? Elle connaît pas. J'ai explosé, ah, ça fait longtemps, en plus, j'ai explosé, t'as tout whipping. T'as tout whipping? Ah ouais, tu veux qu'on se parle en... Vas-y, ok, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. C'est bon, parce que là, j'ai lâché toutes mes cartouches, là. Ah, t'as plus de cartouches? J'ai plus de cartouches, je crois, là. Ah, bah, fais attention. J'ai que des cartouches, vas-y. Ok. Pas quand je dis cartouche, vas-y, c'est pas cartouche cigarette, hein, c'est cartouche genre américaine de chanson. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Mais non, mais parce que les gens, ils peuvent
Tu trouves. Mais ils comprennent là. Pourquoi tu parles de cigarette là? Mais pourquoi tu parles de cigarette là? On a trop parlé. Mais je sais pas parce que j'ai dit, j'ai que des cartouches et j'ai pas fini. Donc les gens vont attends, dire. Attends, direct, t'as fait un aller-retour au bled et on t'a dit de ramener des cartouches. Qu'est-ce que tu racontes? C'est grave. Mais qu'est-ce que tu racontes c'est là? C'est la mission du daron, tu connais. Mais là, c'est où le rapport avec le sujet là? C'est pas. T'as tout whipping. Wouh. T'as tout whipping. Vas-y là, pose ta question putain. Ah ouais, ça whipping ici, hein, ça whipping de malade. Ouais. Comment je t'ai dragué? Comment tu m'as dragué moi? Ouais, hein. Ouais, comment je t'ai dragué? Comme un charreau. C'est tout? Bah franchement, tu m'as vraiment dragué comme un charreau. Vas-y, explique. Attends, parce que selon toi, tu m'as pas dragué comme un charreau, c'est pas ça la réponse raconte, que t'as non, moi j'ai pas mis ça, mais vas-y, raconte ta version. Bah en fait, Balou, il s'est absolument pas dragué. Il m'envoyait des messages, parce qu'on travaillait déjà ensemble, et il m'envoyait des messages, la manière dont il me parlait, c'était vraiment n'importe quoi. Hein. Je peux donner un exemple? Vas-y, vas-y. Mais je vais donner un exemple sans être vulgaire, tu vois. Je suis pas vulgaire. Quoi? Vas-y. T'étais archi vulgaire. Ouais, toi et moi, je lui ai rien dit, s'il vous plaît, je ne lui disais rien. Ouais, toi Emma, on peut pas être ensemble, sinon le taf, je vais pas y arriver, je vais tout zapper. Ouais, franchement, ton corps m'attire, je rêve toutes les nuits, je sais pas. Mais tu crois que je suis un tragédie ou quoi? T'es malade ou quoi? J'ai jamais dit ça de ma vie. Mais c'est quoi cette dinguerie là? J'ai jamais dit ça de ma vie. Et quoi, on est dans. Non, tu crois que je suis Willy Denzé ou quoi? T'es malade ou quoi? J'ai jamais dit ça. En fait, tu crois que je suis Camaro? Non, en fait, tu disais des trucs encore plus chauds, mais je peux pas les dire. Non. Et moi, je vais te dire. Non, tu es un charreau. Je vais dire la vraie version. T'étais vraiment charreau. T'as faux. Mais je vais dire la vraie version. En fait, comment on s'est dragué et c'est la vraie version. En fait, elle me faisait un peu du rentre dedans. Laisse-moi dire ma version. Vas-y. En gros, elle habitait pas trop loin de chez moi. Et elle me disait, ouais, ça te dirait qu'on passe à la maison pour faire un meeting. Wow. Oh, arrête. Maintenant, on mange, je ne m'oublierai jamais, elle commande une crêpe et tout. Elle mange la crêpe et elle se met de la crêpe là exprès pour que je lui enlève. Et elle me parle. Et elle me parle, mais elle a grave de la sauce ici. Moi, j'ai fait quoi? Je lui enlève la sauce et là, elle fait... Non, alors, remix. Déjà, vous avez vu la face de la sauce, comment il les suit? C'est un tragédie, on est d'accord. Et là, tu te prends pour un bobo ou tu crois que t'es dans un truc. Mais c'est toi qui as fait ça. Mais Balou, ça fait 5 ans, on est ensemble. Jure la vie de ta mère, je mange pas comme un cochon. Mais pas ma mère dans l'histoire. Non, mais je. Mais pas ma mère dans l'histoire. Balou, maintenant, vu que tu sais très bien comment je mange. Ouais. Genre, j'ai fait exprès de mettre de la sauce à côté de ma bouche. T'as fait exprès. Tous les. T'es sérieux là? T'as fait exprès pour me séduire. Balou, comment tu mens? Tu mens! Bah vas-y, mais t'as faux! À chaque fois qu'on mange, tu dis j'en fous partout et ouais, tout! Ouais, t'as faux! Tu penses que j'ai fait exprès? T'as faux! Et c'est toi qui me proposais des meetings tous les 4 matins à venir chez moi! Oh, arrête ça! Oh, arrête pour ça! Faire quoi? Alors et tu m'as pas eu ni au premier meeting, ni au deuxième meeting, ni au troisième meeting! Et en plus, au quatrième! Non, c'est pas vrai! Bah en même temps, il y avait un. Faut aller jusqu'au quatrième meeting! En même temps, il y avait un meeting tous les mois, donc ça fait facile 4 mois! Et en plus, le pire, c'est que tu dis vraiment. Si. Et en plus, tu dis vraiment de la merde parce que tes messages. Mais j'ai la preuve en message! Mais c'est bon, Alisha! Et tu te rappelles pas, je te montrais que tes messages, comment tu me parlais, même toi t'en revenais pas. Alisha, c'est bon. T'es nul. T'as la mauvaise réponse. Tu sais pas draguer. Alisha, t'as la mauvaise t'es réponse. T'es nul. D'accord, t'as la mauvaise réponse. T'es nul. Quelle est la chose que j'adore le plus manger? Je sens la patate arriver. Moi? Oui, c'est toi de répondre. Non, moi, c'est moi que. T'as... Mais non. Bah si, tu aimes me manger. Je suis ton fruit du démon. Comment? Hey, moi je connais pas trop One Piece. Tu connais One Piece toi? Attends, je vais essayer de faire un ref One Piece. C'est bon, tu l'as fait, t'as... Gomu, bang! Chapeau de paille! Gomu, bang! La black dance! Mais pourquoi j'ai l'impression que la régie est tout le temps de ton côté dans tes conneries? Non. Non, tu manges tout, en vrai. Toi. Comment ça, je mange tout? Non, pas dans ce sens-là! Non. Attends, c'est pas cette transition! Non. T'as dit... Non, tu manges pas tout dans ce sens-là. Genre, tu es pas difficile en graille. Ce que t'aimes le plus manger... En ce moment, t'as des envies. T'aimes bien les petites... Ouais. Vu que là, t'es en mode femme enceinte, tu manges un peu de tout en ce moment. Ouais. Là, t'as des envies de McDo aujourd'hui. Des fois, j'ai eu les asperges beaucoup. Voilà, les asperges, les canards artichauts. Elle mange un peu tout ce que, voilà. Ben là, je dirais... C'est un truc de fou, c'est bon. Elle mange un peu tout ce qui se passe. Voilà, mais ce que tu aimes le plus manger, en général? Ouais, il y a un plat que je dis souvent, alors que j'en mange très rarement. Pourtant, c'est un de mes plats préférés. Ouais. C'est quoi? Ouais, c'est vrai. Ça commence par un M. La moussaka. Ouais. La moussaka, elle aime trop la moussaka. Ouais. Surtout celle que je lui prépare à chaque fois. Bon, ok, d'accord. Ok, à toi. On peut pas tout le temps. Quel est le premier projet de Lil Baby? Mais attends, c'est quoi le rapport Non, réponds. Non, mais c'est quoi le rapport avec toi? Mais réponds à la question. Mais c'est quoi le délire? On l'a dit, on pose des questions pour apprendre à se connaître. Réponds à la question.
quoi le premier projet de Lil Baby? La jaquette, elle est noire et blanche. C'est son enfant, son fils. Et son fils bébé, parce qu'il y a eu un autre où son fils, il a un peu plus grand. C'est quoi le premier projet, là? Tu me racontes ta vie, là. C'est pas Drip Too Hard, ça, c'est avec Gunna. Non, c'est bon, elle a faux. Allez, c'est Life is a Drip. Ah, encore faux. L'enfant, il va s'appeler Kobe. Hein. Drip is down. Mais vas-y, c'est quoi tes trucs? C'est quoi? Bon, vas-y, attends, vas-y, j'en fais une autre. Non, mais c'est quoi le cheat? T'inquiète, j'en fais une autre. Mais c'est quoi la réponse? Non, je t'en fais une autre. Mais je te les donne pas, t'as faux. Wesh, quelle est l'insulte que je dis le plus souvent? Vas-y. Non, mais Balou, sincèrement. Mais dis, vas-y. Mais t'insultes tout le temps? Non, j'insulte pas tout le temps. Non, franchement, déjà. Juste un truc avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet. Vas-y. Déjà, par exemple, si un truc que tu valides pas, et ça arrive beaucoup dans une journée, tu vas dire, eh, ça pue sa grand-mère la. Tu vas dire ça. Eh, ça pue sa mère. Des fois, des trucs de merde, je vais juste te dire, eh, vas-y, ça c'est joli. Eh, ça pue sa grand-mère. Tu vas me dire ça. Wesh, calme ton cœur, mais le pire, c'est quand t'es en voiture. Ouais. Oh, quand t'es en voiture, il y a un mec. Ça se trouve, c'est un vieux monsieur. Non, pas les vieux. Mais rien que tout à l'heure, il y a un mec. Il était vieux? Mais il était vieux de ouf. Il était tellement vieux qu'il avait les bérets marrons à carreaux là. Je l'ai pas vu. Il avait une. Ben, Niro, il met des bérets, il est pas vieux. Il avait une Xaris. Tellement il était vieux. Vas-y, dis l'insulte là. Et il a juste fait ça. Dis l'insulte. T'as dit, va ta mère, gros fils de. Elle nique ta mère. J'espère que tu vas brûler en enfer, gros fils de. De ferme ta. T'as dit ça. Ok, donc c'est ça mes insultes? Ouais. C'est faux. T'aimes bien, gros fils de. Ta mère. T'aimes bien dire la ta mère de fils de. En ta race. Ok, c'est faux. Hein. Si. C'est faux. Si t'aimes bien dire ça. Non. Si. Vas-y. Non. C'est quoi? Mon insulte préférée, c'est crotte de bique. Mais tu. C'est la non, c'est vrai. C'est la première fois que c'est écrit. T'as écrit tes questions et tes réponses comme moi. J'ai mes questions et mes réponses. Mais t'as faux du coup. T'as jamais dit crotte de bique, Balou. Crotte de bique, j'ai jamais dit ça. Rien que là, ça sonne bizarre dans ta. Ça, c'est mes insultes, ça. C'est moi. Moi, regarde, t'as vu quand j'ai dit des gros mots là, ça sonnait même pas. Vas-y, en tout cas, t'as faux. Fils de pute de nique ta mère, c'est la bon, grosse c'est bon, salope. Wow, c'est bon. Là, du coup, c'est. J'ai jamais dit ça, c'est trop bizarre. Hein. Vas-y. J'avoue, je fais pas thug quand je dis les. Non, toi, ça le fait pas. J'arrive pas. Hein. Vas-y. C'est nul. Mais t'as faux. Mais vas-y, toi, j'ai raison. Bref, quelle est la date de naissance de mes parents? La date de naissance de tes parents? Tes parents, genre. Mes parents biologiques, ouais, les parents qui m'ont capté, mis au monde. Déjà, un grand message d'amour à tes parents qui sont vraiment des personnes extraordinaires. Oui, les dates. Les dates, hein. C'est les dates auxquelles ils sont nés, c'est bien ça hein, qu'on se demande là. Balou, t'es sérieux? Déjà, normalement, t'es censé au moins avoir mon daron, wesh. Ton daron, non, je sais que c'est un capricorne comme moi. Bah, janvier. C'est ça? Janvier, il est né le 3 janvier, ton daron. Ouh. T'es né le 5, heureusement, tu te rappelles. Bien sûr, le daron, je sais. Ma daronne. La daronne. Avril. Et attends! Non, tu triches de ouf! De quoi? C'est mon code de téléphone! Bah, et tu connais mon code de téléphone! Voilà, dis-le à tout le monde! Non mais. Mais là, tu m'as posé des questions! J'avais pas pensé! Tu me poses des questions, je réponds! Non mais franchement, t'abuses, hein! En tout cas, vraiment, c'est des parents extraordinaires, vraiment! Ouais, c'est ça! Ouais. Vraiment, j'adore ces parents! Si vous voyez la vidéo, je vous adore! C'est ça! Ok, à mon tour! Ok, qu'est-ce que tu détestes le plus chez moi? Franchement, il y a pas mal de choses comme tes pets pives et tout, mais je crois le pire, c'est quand tu me pètes à la gueule. Comment ça? Quand tu me pètes à la figure. Je te pète pas à la figure. Si tu me pètes à la figure. Et le plus traumatique que tu m'as fait, je m'en rappellerai toujours, c'était il y a presque 4 ans. Ouais. C'était un pet dégueulasse, gras, t'es venu t'asseoir sur mon visage pour me péter à la gueule. On peut mettre quand même une. Et tu m'as traumatisé. J'ai pleuré. On peut quand même j'ai mettre. J'ai failli vomir. Non, il faut quand même expliquer le contexte. Il faut expliquer le contexte. J'ai vomi. Expliquer le contexte. Je peux expliquer le contexte ou pas? Calme-toi avec le contexte. Je peux expliquer le contexte. Vas-y, ou pas? Vas-y. Là, j'ai dit calme-toi avec le contexte, mais je vous rassure, il était habillé. J'étais habillé. Il n'y a pas de truc bizarre. J'étais en caleçon. Non, mais t'avais un t-shirt sans et tout. En fait, non, mais genre en mode, c'était dans la vie de tous les jours. En quoi. Fait. Il y avait une tension entre nous hein, sur un certain sujet. C'est vrai, on avait un débat sur un sujet. Il y avait un certain sujet. Un débat, c'est vrai. On n'arrivait pas à trouver une entente sur ce sujet-là. Je peux pas revenir dessus. Donc du coup, pour lui dissuader de ce sujet, je lui ai pété la gueule. Voilà. Et ça a marché. Ça a marché de ouf. Je veux plus jamais revenir sur ce sujet. Voilà.
Mais ah, il m'a trop mal. Et en plus, LP, elle, vous savez, l'épée gras, on dirait voilà. Du liquide. Voilà. Oh là là. C'est du liquide, oh là liquide. Là. Je l'ai conservé. Genre, ça faisait. Pff, ça faisait... Je vais pas vous mentir. Hein. Ça faisait, pas j'avais. Eh, hey, écoutez bien. J'avais mangé un tacos de chez Otacos ce jour-là. Oh là là. J'ai conservé le truc. Oh. Le gaz, je l'ai conservé dans mon corps toute la journée. Bah, je suis arrivé. Arrête, j'ai poussé. Arrête, pas de, c'est bon, c'est bon. Ça fait trembler mon caleçon. J'ai envie de vomir. Ça fait trembler mon caleçon. J'ai vraiment envie de vomir là, c'est bon. En plus, c'est vrai que les femmes enceintes, elles ont des émotions plus. Ah, j'ai l'odeur encore dans. Pardon. C'est qui là les questions? Attends, attends. Mais c'est pas ça hein, que tu détestes depuis chez moi. Hein. C'est pas ça. Hein. Désolé, je respire. Ah, c'est dur, hein. Ah, mais c'est vrai, là. Oui, c'est vrai. Vas-y, vas-y. C'est pas ça que tu détestes depuis chez moi. Vas-y, dis c'est quoi alors? C'est pas ça. En fait, un jour, elle me l'a dit et je crois qu'elle s'en souvient plus. Vas-y. Elle a dit que ce qu'elle détestait le plus chez moi, c'était ma beauté. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Pardon. Elle m'a dit pour. Je lui ai demandé. Elle m'a dit pourquoi. C'est pas vrai, il est très beau. Oui, merci, merci. Je lui ai demandé pourquoi elle déteste ma beauté. Elle m'a dit parce qu'en fait, quand on marche dans la rue, elle a l'impression que tous les regards sont braqués sur moi. Alors, moi, je suis pas dans les braquages, mais je demanderai aux filles d'arrêter de me regarder quand je suis avec ma femme. Voilà, en plus, elle a un enfant. Arrêtez de me regarder quand je marche avec ma femme. Ça marchera pas. Arrêtez de m'envoyer des DM en soum soum où vous me dites mais t'inquiète, personne... je lui dis rien. Arrêtez de m'envoyer des snaps de vos miaous, de. Quand... Non, ça marchera pas, vous me détournerez pas. Je lui ai fait un marmot. Mais tu crois que t'es en 2018 ou quoi? Y'a personne qui t'envoie un DM, frérot. Toi, tu connais pas mes DM. Mais toutes les meufs, elles sont abonnées à What's Up Girls. Y'a personne qui t'envoie un DM. Et t'es même plus sur Snap. Vas-y, prochaine question. Quel est mon cursus scolaire? Toujours des mots compliqués. Cursus. On dirait un nom de. Eh, c'est pas... On dirait pas un nom de footballeur, cursus. Cursus à la balle, cursus va marquer le but, et c'est le but de cursus, cursus. Mon parcours, ouais. Mais pourquoi cursus, moi, mon cursus scolaire, ça se dit un cursus, ouais. Non, mais j'ai capté, mais pourquoi tu me dis pas c'est quoi mon niveau d'école? Tu vois, tu me dis cursus scolaire, vas-y, tu crois on est où, là? Je vais parler comme toi. On est dans attention à la marche. C'est quoi mon niveau d'école? Non, mais c'est une dinguerie. Et ça c'est les gens qui mangent trop, toi tu manges trop à Subway, non c'est quoi? Le truc vert, là. Non, pas Subway, l'autre, vous mangez des mocta lactés. Starbucks. Elle mange trop à Starbucks. Lactée. Starbucks, c'est les gens de carbone. Starbucks, ils parlent comme ça. Ils parlent que en anglais. Ah ouais, là, t'as vu le dev ou pas? Guys. On se fait un dej, guys. Non, mais là, je suis à fond dans mon cursus scolaire, quoi. Mais c'est quoi mon parcours? T'as un Master 5. Quoi? T'as un Master 5. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Un Master 5. Du bac au Master 2. Balou, c'est un Master 2, ça n'existe pas, Master 5. T'as fait 5 années après le bac. Ça donne un Master 2. C'est un Master 5. Quand t'as fait 5 années, j'ai eu un bac quoi? Un bac 1. Quoi? Bac 1, Master 5. Non, Balou, non. T'as un bac, Master 5. Non, vas-y, c'est bon. T'as un bac plus 5. Ah, je suis fatigué. T'as un bac plus 5. Oui, j'ai un bac plus 5, mais ça n'existe pas. Gestion des commerciales. Non. Communication commerciale. Non. Commerce... On va mettre un bip. Hein. Commercial. T'as un bac commercial. On va mettre un bip sur ça. On va mettre un bip sur ça. Ouais, t'as un bip sur ça. Hein. Ouais, t'as un bip. Oublie pas le bip. Oublie pas le bip, s'il te plaît. Je t'en supplie, n'oublie pas le bip. Je vais pas l'oublier. Mais t'as un bac 5 là. C'est quoi là? Ouais, d'accord, ok. T'as fait un bac, bam. Après, t'es resté 5 ans à l'école pour ensuite venir travailler à French Plug. Un bac plus 5 pour bosser avec French Plug. Mais je travaille pour moi. Je travaille pour moi. Mais ça sert à quoi de faire un mec plus simple pour travailler pour toi? Ben surtout que j'ai plus appris avec French Plug et toi qu'à l'école. Hein, voilà. Parce que école de commerce, j'ai ruiné mon daron hein, pour qu'au final, frérot, il me parle même pas de réseaux sociaux pour du marketing. Voilà, force au daron. C'est horrible. On va couper ce passage aussi. Bon, c'est une bonne réponse, hein, 5. Ok. Master 2, vas-y. Ok. Nomme mes 3 acteurs préférés. Jamie Foxx, ouais. Leonardo DiCaprio. Ouais, j'aime beaucoup. Et Tom Hanks. Ou Michael Jordan. Mais t'as vu où il a dit Denzel, wesh. Denzel Washington. Bah oui. Non mais vas-y, là, Denzel Montfermeil et tout, là. Denzel Washington. Je pensais que c'était pas ton acteur préféré, je pensais que c'était ton père. Et mon père, il peut pas être mon acteur préféré. Je sais pas, non. C'est ton père, quoi. Mais attends, tu crois que le fils de Michael Jordan, c'est qui son joueur préféré? C'est Michael Jordan? Je pense pas. Si, c'est Michael Jordan. Je pense pas. C'est Michael Jordan. C'est pas possible. Mais pas... comment t'oublies? C'est un truc. C'est regarde. Pas forcément vrai. Hein. Non, vas-y. Moi, regarde par exemple, dans mes entrepreneurs préférés, il y a ton père. Voilà. Mais en gros, même temps, c'est le. Grosse force à ton père. Non, mais. Moi, je. T'as vu? Non, mais en même temps. Non.
Et dans mes les personnes qui m'inspirent le plus, il y a ta mère. Voilà. Calme-toi avec ta mère. Non, il y a ta mère dans les gens qui m'inspirent moi le plus. Moi aussi, je l'adore, ta mère. Dis bien ta mère. Je l'adore, ta mère. Moi aussi, j'adore ta mère. Ta mère, je l'adore. Moi, j'adore ta mère. Moi aussi, j'adore ta mère, je l'adore. Et ta mère, je la kiffe de ouf, ta mère. Et ton père, je l'adore aussi, ton père. Ton père, je le valide. Ta mère, je la kiffe. Moi aussi. Ta mère. Ta mère aussi, je la kiffe. Ta mère, je la kiffe de malade. Moi aussi, ta mère, je la kiffe. Ta mère, je la kiffe plus que tu kiffes ma mère. Sur la tête de ma mère, j'adore ta mère. Ta mère. Quoi? Il reste 3 minutes. Vas-y, ah. cut. Quand est-ce que j'ai eu le coup de foudre? Le coup de foudre? Ouais. Le coup de foudre, ça s'est passé de manière super simple. Hein. C'est, on se parlait bien, tu vois, toi et moi. Mmh. Et un jour, tu me parlais, tout ça. Et un jour, tu es venu au bureau. Et je sais pas, il y a eu une tension dans comment tu m'as regardé. Tu vois. Et j'ai senti que là, tu as capté le négro. Tu as capté le négro, tu t'es dit, non, c'est lui qu'il me faut. Et en fait, tu m'as vu frais, bégé, tout. Tu t'es dit, c'est lui que je veux. Moi, j'ai pas forcé. T'as forcé un peu quand tu m'as invité chez toi et que t'as mis de la sauce sur le côté. J'ai pas forcé, j'ai laissé les choses se faire, moi. Voilà. Bah, franchement, c'est absolument faux. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Et il y a toujours la preuve en image sur YouTube. Je suis arrivée dans le bureau à un moment où il tournait un podcast avec l'ancienne équipe. Et quand je suis arrivée dans le bureau, il s'est arrêté de parler et il m'a regardé d'une manière. Et même après, ton ancien collègue commençait à rigoler. Après, Logan aussi, il a commencé à rigoler. Et après, il commençait à te regarder et tout. Et je sentais qu'il y avait une espèce de gêne bizarre. Bah, viens, on y va. Une phrase, quoi. Ça dépend. Juste, viens, on y va et boum. Ouais, c'est... Ça peut jouer. C'est... Ça peut jouer. Matt. Voilà. Y'a pas trop de choix. Et toi, Balou? Ah oh, putain, mais il est chaud. Il est fort. Ah. Je fais tout le temps. Toi, hein? Meuf qui correspond à tous tes critères visuels. Ok. Physique. Tout. Ouais. Comment elle est attismée, voilà, chargée, voilà. Mignonne, tout. Elle veut venir t'aborder. Comment elle fait pour t'avoir directement dans son lit? Dans son c'est lit. C'est ça la question. Ah, maintenant, pour la vie, tu peux nous expliquer? Faut que je sois dans le mood pour toi. Voilà. Bah, pour la vie, maintenant. Non mais hey, ouais, moi les gars en amour, je suis bizarre. Hein. Comment mais, ça? Comment ça? Je suis bizarre de ouf. Hein. Ça veut dire il y a trop de paramètres en fait. Là je pense que tu vas être. T'es pire que Logan. Très écouté là. Vas-y on t'écoute. Ça s'est fini comment? T'as dit quoi? Tu fais quoi là? Mais là c'est pas la question frère. La question elle est pas là. Là je sais pas dans quoi tu veux rentrer là. Ah voilà et on va couper le truc. Je vais mettre en mode dictateur plein. Tu vas rien. Là tu vas voir c'est quoi un dictateur. Non plus sérieusement genre faut que déjà elle ait des ambitions. Et toi-même après parce maintenant. Parce que ça faisait longtemps, je t'avais pas vu. Voilà. Et bizarrement, pourquoi? Parce que tu m'avais quitté, j'étais une petite fille, on va dire, une fille, tu me voyais en petite. Et quand tu m'as retrouvé, j'étais. J'aimais tes faits et gestes. Voilà. T'aimais mes faits et gestes. Et tu t'es demandé qu'est-ce qui s'était passé. T'as même pensé peut-être que j'étais passé sous le bistouri alors que pas du attends, tout. Attends, tu parles de corps là? Je me suis buté à la salle. Je t'arrête tout de suite. Moi, la première fois que je t'ai vu, la première fois. On s'est revu parce que la première fois que tu m'as vu, non, c'était. Quand je t'ai revu, ce que j'ai aimé, c'est ton âme. Hein. Mais j'ai on s'est même pas âme. Parlé, t'étais en train de faire ton mais, émission. J'ai entendu le bruit de ton âme. Bruit de mon âme? Vas-y, c'est quoi le bruit de mon âme? C'était quoi le bruit? Mais c'était tellement. C'était quoi le bruit? C'était tellement beau en fait, ce que j'ai entendu. C'était d'un rose épatant. Et. C'était rocambolesque. C'était un pic, c'était un câble, que dis-je, c'était une péninsule de ouais, bruit. C'est bon. C'est ardé, c'est titané, nanan, c'est que navéninon ou bien que melon nain. C'est incroyable, rocambolesque. Ok, à toi, c'était ma dernière question. Pose ta dernière question là. C'est quoi bon, le film gagné. Que j'ai le plus regardé de tous les temps, vas-y. De toute façon, j'ai gagné là. Ça, c'est facile. Vas-y, j'ai gagné. C'est Street Dancer. Ok. Mon film que j'ai le plus regardé de tous les temps, vas-y, ouais. Battle. Street Dancer. Vas-y, Logan, fais la musique. Oui, 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 là, oui, 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 là, oui, oui. Oh. Alors? Moi, change le beat. Vas-y, change le beat. Vas-y, mets-lui Joe Biden. Pomp, 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 non, c'est pas ça, mon son. C'est quoi? We don't know how that you gon' find the money people.
Et puis je parle le bicho. Y'a le tourné de force. Faut que tu sois par terre. Voilà, c'est ça. Vas-y, mets-moi. Everyone is to my data. We don't know life, you gon' find out. Eh, mets-moi. Ouga, mets-moi Ouga, freeway. Ouga. Eh, mets-moi freeway. Sony nous a vendu. Oh, Just Blaze, ok. Freeway, we do hell on smash. Qui a gagné le battle? J'ai gagné, il a dit. T'as oublié le. Ouais. Allez. Bon. Non, mais j'ai gagné toutes les questions. Eh, hey, j'ai eu plus de points. Mais arrêtez. Non, j'ai eu plus de points. Mais arrêtez. Vas-y, qui a eu plus de points? La régie. Banou. Kobe, bah allez-y. Voilà, who okay. The fuck is Kobe? Ok, c'est bon, ça a été décidé, j'ai plus de points. Voilà. Donc, moi pour l'instant, j'ai pas encore décidé le prénom. Non, arrête, tu vas l'appeler j'ai Kobe, pas encore Iverson, décidé le prénom. Carter, mais... Ludacris, je sais pas quoi. Non, j'ai pas encore décidé le prénom. C'est vrai que je penche, si c'est une fille, je penche pour Isis.